Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de Limbo. Alors je sais pas s'il sera divisé parce que j'ai l'intention ferme de finir le jeu. Donc en tout cas nous sommes partis. Donc on avait déjà mis cette espèce d'engin ici, mais on s'est rendu compte que finalement ça ne nous était pas trop utile pour l'instant. Donc on va pouvoir... Je crois que sans faire exprès je viens de faire un truc de ouf. Donc, bah écoutez, on va le prendre. ouais. Je ne sais pas trop comment j'ai fait pour faire ça, mais why not? Écoutez, on attend de voir. Pour l'instant, je pense pas que ça serve à grand chose. Simplement pouvoir repartir par là et donc retourner voir la grosse énigme qui nous attendait. Ah mais attendez, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur ce bouton du coup? Qu'est-ce qui se passe si Ouais non, à mon avis ça sert à rien pour l'instant. On va retourner plutôt là où on en était, donc j'espère que vous appréciez toujours. Je pense que c'est l'avant-dernier, l'antépénultième épisode. Je vais peut-être enregistrer à la suite, donc il n'y aura pas d'annonce spéciale pour le prochain épisode. Mais en tout cas, voilà. On est parti. Et une ferme détermination pour finir ce jeu. Désormais. Un petit peu. Et oui, là je crois que c'était le cylindre. Et c'est par ici qu'il faut monter pour retourner sur le... Bref, on est parti. Avec la salle flippante. Que j'ai fermé. Ouais, non, je l'ai pas fermé. Je ne sais pas trop à quoi tout cela va nous mener, mais bon. Ah, il y a de l'eau à faire monter quelque part. C'est quelque chose qui est bien étrange, ma foi. Sachant que au-delà de la brume, il y a un aspect mystérieux assez certain. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et si on est dessus? Je pense qu'il y a moyen de faire monter l'eau, mais je ne sais pas comment encore. Savons guère comment. Ouais, il y a vraiment une volonté de tout simplement... expulser cet outil. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ah ok, j'ai compris. On va pouvoir le mettre à partir d'ici. Je pense que là, à partir de là, je vais me faire prendre le plus de hauteur possible. Et là, normalement, c'est le jackpot. Parfait.
Parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tranquillement remonter là-haut, tout simplement. En passant, évidemment, comme vous le savez, par ici. Yes. Pour aller actionner un petit bouton par la suite. Là, on est pépouze pour l'instant. Alors qu'on a une espèce de musique un peu énigmatique, on va pas se mentir. Alors déjà, j'ai envie d'aller appuyer sur le bouton qui est là-bas. Donc on va le pousser tout au bout pour voir. Et sinon, on reviendra là et on actionnera à la suite les différents buzzers. J'ai peur de ce qui va se passer quand on fera ça. Est-ce que c'est suffisamment haut également? Je ne sais pas. Non, c'est trop. Voilà. Attention, il passe sur un autre bonhomme. Ok. Ok, je sais comment ça marche. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Bien écoutez, on est parti pour la suite. Ah bah non. C'est juste un passage bonus. Salle de réflexion. Ok, why not? Ah ok, parce que je me disais comment on fait pour revenir du coup. Mais le câble nous a rassuré là-dessus. Donc ça c'était vraiment le secondaire, pas de soucis. Écoutez, c'est toujours à notre avantage. Qu'est-ce que c'est que toutes ces machines en fait? À mon avis, ça m'a l'air d'être une sorte de serveur qui permettent de contrôler les gens peut-être? Une sorte de... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Je ne sais quoi. De toute façon, on n'a plus aucune limite de temps, il me semble. Le game design nous invite à aller par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est en train de désamorcer quelque chose. Ça m'a l'air d'être le bordel. Je crois qu'on va foutre le bordel. Un bon gros bordel. Ce qu'il y a de l'autre côté. Là, on a désamorcé des trucs, mais je sais pas trop ce qu'on a désamorcé. Donc, ça reste à voir. Oui, il y a des trucs par là. Ah non, c'est le reflet, tout simplement. Ok. Tout cas, c'est flippant. Il y a un mélange de technologie et de psychique, quoique le psychique serait totalement lié à la technologie vis-à-vis du contrôle de masse. Par là. Une cage. Des cages. Je sais pas pourquoi, mais on va prendre ça, écoutez. Écoutez, on n'est jamais trop sûr. Prenons ça, sait-on jamais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a un enfant là-bas?
très étrange ce qui se passe. Heureusement qu'on a pris la box. Oula. Ok, j'ai compris. Il va nous falloir la box, une fois de plus. Elle va nous être utile pour... On va devoir aller la chercher. C'est devant le carreau quand même. On sait jamais. Et là, je pense qu'à partir de là, on est bien. C'est parfait. On va pouvoir tranquillement passer. Oh non, des mines. Je sens le truc là. Je sens que ça va pas être trop cool là. Comme si c'était des mines. C'est vrai qu'on nous pousse à aller vers le bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà, j'ai l'impression qu'on est dans une dimension. On joue avec une dimension parallèle. Déjà, là, on va attendre. Ah, yes. Donc là, il va falloir trouver un moyen de revenir vers le haut. Comment on fait pour lui?
Bon, venez les enfants. En fait, j'ai l'impression qu'il va falloir me repousser vers le haut. Ok, c'est passé haut, donc va falloir rebaisser le niveau. Ça c'est... Oui, il y en a qui ont pas de tête. Ah si. Mais ils ont une gros... un bon gros dos. C'est horrible. Venez les enfants. Je sens que là, ils vont venir nous faire chier. Quoi que non, pas du tout. On a évité la mort quand même, hein. Faut pas l'oublier. Est-ce que vous allez me suivre les enfants? J'ai l'impression qu'on est dans un hôpital géant, mais... Putain, c'est vachement dur. Faut que j'ai le réflexe, mais comme je voyais pas trop ce que je faisais... Il va falloir spammer la touche d'activation en retombant. Je pense. Viendez les enfants, viendez. Le ménage est important même en temps de dictature. En même temps, c'est tellement propre et clean. C'est le centre névralgique de tout ce qui se passe. Donc ouais, il va falloir aussi sauter, je pense. Ou alors, il va falloir remonter ça. Ah yes. Oh pardon, désolé. Elle est dans un petit conduit d'aération. Non, 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 non. Il va falloir sauter. Putain, ils sont solides les mecs, hein. Bref, venez les enfants. Nous sommes tipar. Qu'est-ce qu'il fait si je les amène près de là?
C'est bizarre ce qu'ils faisaient. Ouais, ils sont tous en train de courir par là. Qu'est-ce qui se passe? Bref, il y a un fil là, ça me perturbe. Il y a vraiment un fil. Mais c'est... Bon, maintenant il reste plus qu'à monter. Quand je fais baisser ça? Oh, désolé, hein. Mais il est important de résoudre ces énigmes là. Ah ok, je vois. Je vois ce qu'il faut faire. Ah mais c'est impossible du coup. Voilà. Ensuite. Désolé les deux petits potes, hein, vous allez devoir attendre. Ah mais il m'en faut suffisamment. Nickel. J'ai compris comment on va faire. C'est parfait. Salut les petits potes, venez avec moi. On va pouvoir défaire ce petit... cette petite chose là. Et la surface de bureau. On a pu les péter. Maintenant, it's time to retomber. Yes, vous gérez les petits potes. Bref, maintenant on va pouvoir retourner vers le bas. Tout le monde est là, on peut descendre. C'est parfait. Vous êtes un peu oppressant là quand même. C'est un peu oppressant, on va pas se mentir. Se passer désormais. J'ai l'impression qu'on est à la vue de tous. Et vous savez combien la lumière est flippante dans ce genre de jeu. Bah, désolé, petit pote. Hein. Adieu, les petits potes. Je vous remercie. Hein. Je vous remercie, hein. Allez. Salut. De toute façon, vous étiez un peu perdu, on va pas se mentir. Attends. Ça, c'est très mauvais signe, ça. Ça, c'est très récent. Du coup, peut-être qu'il y a des gens, quelque part,
mais ils sont plus personne n'est là, mais depuis peu de temps. On ne sait pas quelles sont les machines. Ok, ça devient très flippant. Le 4. On est beaucoup sur le 4 en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va nous emmener tout ça. Enfin, je veux dire. Aucun tu as des adhérations, mais. Let's go, hein. Écoutez, je pense qu'on est plus à ça près. Heureux de vous connaître. Qu'est-ce qu'on a loupé sur le bout alors? Je ne sais guère. C'est pas du tout ce qu'on a loupé. En tout cas, c'est flippant. Les gens sont omnubilés par une chose précise. Ce qui est très flippant, on va pas se mentir. On va essayer de désamorcer tout ça, hein, mais... On ne sait guère ce qu'il y a derrière tout ça. De là, mais qu'y a-t-il simplement là-dedans?
part d'ici, donc on va tout saboter. Tout ce que je veux, c'est aller ici. Ah, yes. Il y a un truc à faire là. Ça me paraît bien fragile, mais il doit rester un truc là. C'est pas possible. Je peux pas atteindre ça. Commencer par le bas. Ou alors il faut que j'aille en dessous pour désactiver un truc encore. Je vais repasser par-dessus, écoutez. Ah bah oui. Il y a ça également. Le silence. Tellement flippant ce truc-là. Qu'y a-t-il par là? Ok. Comment je peux savoir ce qu'il y a? Écoutez, si je mets ça... Avant que ça se redémarre, il faut que j'aille. Ah. Tu as walpé. Je suis quand même bien walpé là. Qu'est-ce que c'est que cette sphère? Ce truc informe. Attendez, attendez quoi? Je fais quoi là? Pouvoir venir prendre ça à la limite.